Bon, on va faire la grotte de la montagne sacrée, hein. Ouais, c'est se trouver le boss dedans. Alors, il y a un truc ici. On va se mettre un marqueur. Voilà, comme ça, on sait qu'il y a un boss ici. Je sais pas ce qu'on a comme, comme boss à faire. On va essayer de se trouver le plus vite possible le boss. On va pas fouiller tout le reste. Ce qu'on veut, c'est juste trouver le chef à battre. Le plus rapidement possible. Il faudrait qu'on puisse le fight. Comme ça, on ressort avec des items en plus pour... c'est devant ou c'est... Je sais jamais par où. Alors, c'est pas ici. Déjà... Est-ce que c'est celui sur ce côté-là? Ça a pas l'air d'être là. C'est peut-être celle sur le côté, là. Ouais, c'est ici. Parfait. Et c'est quoi ce qu'on doit fight? Pour récupérer les coffres derrière? Ah, la tombe batte, ça va. En 3 roquettes, c'est réglé. Ah, 4 roquettes, excuse-moi. Non, toi t'auras pas fait long feu. Ok, c'est good. C'est good, c'est good. On va juste récupérer les coffres. Peut-être on peut avoir le truc pour Bella Noire encore. Livre antique x3. On a encore l'éclat de Bella Noire, donc c'est good. Ça, on est tout bon. On a tout ce qu'il nous faut. Ok, parfait. On va voir si on peut pas se faire. On a combien des trucs pour Bella Noire? Bella Noire, Bella Noire, Bella Noire. Les trucs de Bella Noire libéraux là, on en a 5. Ça permet d'en faire un. Ok. Bon, ça va être le moment d'invoquer le boss. Hein. On va tenter le Bella Noire tranquillement. On va voir pour craft le truc. Alors, est-ce que je peux le faire sur une table là classique? Le truc du Bella Noire. Ouais, on peut faire avec les éclats une tablette. Va falloir juste qu'on se prenne une zone tranquille, histoire de mettre un... Une boîte à pales pour le générer et il faut que je mette un maximum de pales dragon sur le camp. Histoire d'être assez tranquille, de pouvoir le combattre facile. Donc on va mettre tous les dragons qu'on a à disposition. Il sera plutôt pas mal. Ouais, ça va être un nouvel item du coup là, la fameuse tablette. Pour invoquer notre pale. Et il faut que je craft aussi, si je me trompe pas, un espèce d'hôtel. Alors l'hôtel se fait comment? Parce que c'est dans les technologies je crois. Et j'ai cru voir passer le principe de l'hôtel là. Où est-ce que c'est? L'hôtel pour le Bella Noire. C'est pas dans les trucs ici là? Y'a pas un hôtel? Si, l'hôtel d'appel. De la pierre et du palladium. On va se faire vite fait l'hôtel. Je sais pas si je peux le craft ici. Non, ça doit être directement dans les... Dans les crafts ici, dans les trucs autres. Ah, l'hôtel d'appel, ok. On va se prendre juste un peu de pierre. Et des éclats. Je sais pas si on aura assez de roquettes pour le fight. J'ai pas vu combien il m'en fallait pour le faire. Bon, faut combien pour le faire? Autre. 100 et 20. Ok. Je me suis pas craft tout à l'heure. Le truc de gestion des pales là. On va peut-être se le mettre. Parce que normalement on doit pouvoir, pour les pales, les gérer avec une tour d'observation.
que j'ai pas encore posé et ça me permettrait de choisir ce qu'ils font. Où est-ce que j'ai ça? J'ai pas la tour d'observation encore? Je l'ai pas apprise. La tour d'observation, elle est où? Pour les pales. La plateforme de surveillance, c'est ça que je voulais. Alors on va mettre une plateforme de surveillance, comme ça on va pouvoir choisir ce que chaque pal fait. Ce qu'il a le droit de faire, pas faire. Ce sera beaucoup plus pratique. On va se la mettre ici dans un coin. Pour l'instant. Où est-ce que c'est? Plateforme de surveillance. On va se la mettre là, tiens, hop. On va se la construire vite fait. Voilà, là on peut choisir du coup les types de tâches qu'on assigne à chacun des trucs. Donc ça c'est plutôt sympa, puisque on peut désactiver des choses pour qu'il y en ait qui fassent plus ou moins de choses. Ça c'est cool. Est-ce qu'on en a qui font du transport? Parce que c'est ce que j'ai pas trop vu tout à l'heure. Oh, ok. Donc du coup on doit pouvoir se mettre les tâches qui nous intéressent. Rien là qui vont nous servir à rien dans les pales là, il va falloir que je trie quoi faire, mais en tout cas on peut tranquillement choisir les tâches qui sont censées nous faire. Donc ce qui peut être plutôt sympa. Je sais pas s'il y en a qu'il faut que je désactive. Sachant que eux à chaque fois vont toujours prioriser le fait de faire le travail manuel, donc on s'en moque un peu. Mais le reste, genre le Grisbolt, on peut lui enlever par exemple le minage, enfin le bois. Par exemple, transport on va laisser. On a plusieurs fois les mêmes choses, genre le Panking. Le Panking sert un peu à rien en fait. J'ai plusieurs pales qui servent à rien, mais là, ceux-là, par exemple, on leur enlève l'arrosage, on leur enlève le minage, eux, on leur fait faire que la ferme. Ça, c'est plutôt sympa. Donc au moins, comme ça, on n'a plus besoin de galérer. Comme ça, on n'est plus besoin de galérer. Bon, je sais pas comment je vais les mettre en soi, mais au moins, ça permet déjà de trier un peu. Il y en a qui vont être occupés à faire que de la ferme, ça m'arrange. Et d'autres qui vont faire que du craft, ça va être plutôt sympa. Donc ça, on est plutôt bien là-dessus. On va essayer de se faire maintenant le béla noir. J'avais pas fait gaffe, mais on a les livres des techniques du futur. Donc ça, si je les utilise... Ça fait 3 points technologiques, mais je suis trop bien en fait pour développer des trucs en plus là. J'avais plein de trucs que je pouvais pas utiliser avant. J'avais pas fait attention, mais pareil, on a des nouveautés qu'il y a eu dans les... Dans les boss, puisque là ça permet de donner de l'XP à un pal, donc pour monter son niveau, ok, donc si jamais on veut monter le niveau d'un pal, on peut le faire. Bon, j'en ai pas de bon à faire puisque j'ai pas de très bons IV dessus, mais ça peut être plutôt pas mal. Et là pour avoir des points technologiques antiques, ok, ben on va l'utiliser, alors même si en soi j'ai déjà tout déverrouillé là-dessus, mais j'ai récupéré 16 points technologiques et 5 antiques. Ok, en antique je crois que j'ai tout déverrouillé. Ah non, il restait le... Lance-sphère à tête chercheuse, on va le déverrouiller de suite, comme ça on a tout. Je pense que là on est ok. Et qu'est-ce qui peut nous servir d'autre? L'anneau l'avait fait mais je l'ai pas crafté. C'était pour mettre le pal à 1 PV, ça il faut absolument que je le fasse. Et on va regarder là ce qui peut nous intéresser également dans les autres ressources. L'armure à la limite, pour avoir la paluminium. On peut faire les selles, voilà. Et puis on aura quasiment déverrouillé pas mal de choses après. J'ai tout ce qui est table pharmaceutique, fournaise, etc. On verra pour plus tard, je m'en sers pas forcément énormément. On pourrait peut-être après ouais, améliorer quelques trucs, mais les livres, franchement, c'est plutôt pas mal. Les livres, c'est franchement plutôt pas mal. Bah, c'est le moment de vérité, hein. On va se tenter le combat contre Béla Noir. On va se mettre là tranquille ici, tac. On va se poser directement une boîte à pales. Ah, j'ai pas pris les matériaux.
Qu'est-ce qui me manque? Il manque le bois. Manque le bois, on va aller à l'ancienne avec le truc de boucher. Bon, c'est le moment de se tenter du coup pour le béla noir. On se met la boîte à pales déjà dans un premier temps. Tac. On va se la craft tranquille. Ok, sur le camp, on va se mettre un maximum de dragons. On va se mettre tout ce qui est dragon qui est possible, qui est inimaginable qu'on a à disposition. J'ai deux jet dragons donc déjà, ça fera l'affaire. Où est passé le deuxième? Il est là. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Alors, j'aurais peut-être pas les pales les plus optimes, mais c'est histoire de l'occuper. Normalement, le béla noir, on va mettre tous les high level qu'on a. Hein. On a des level 50 qui traînent un peu partout. On est perdu du monde. On va mettre du Palladius. On va mettre tout ça. On va mettre tout ce qu'on a à disposition. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est high level là ici? Qu'est-ce qui traîne? Un Menasting, très bien. Ouais, truc glace. Est-ce qu'on a d'autres dragons dispo? On a quoi? Est-ce qu'on a des dragons assez forts dans ce qui nous reste? Pas grand chose, hein. C'est du dragon, mais le problème c'est qu'ils sont tous bas level. Ah, j'ai déjà remonté à mettre. On est plutôt pas mal. On a mis du monde, ok. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est construire l'hôtel. L'hôtel d'appel. Ok, bon, il y a un arbre qui nous dérange. On va essayer de se le mettre à un endroit où ça gêne pas. Bon, tant pis, il sera pas droit. Hein. On aura l'hôtel d'appel qui va être prêt. Et on va pouvoir appeler notre ami Béla Noir. Alors, est-ce que j'ai un chilet? Est-ce que j'ai la selle pour le chilet? J'ai pas déverrouillé la selle. On va recommencer avec la selle. Il faut aller le faire tranquille. Et là, c'est le moment de vérité. C'est le moment de vérité. On va utiliser ça. Hein. Allez, go. Hein. Oui, on a compris. Ok. Il est où le béla noir là? Il est là. Il est là notre béla noir. Ok, pour l'instant ça a l'air d'être plutôt correct. Mais là c'est 100 000 PV, mais on est en train de le défoncer quand même. Ah mais je suis bloqué parce que... Ok, je suis bloqué parce que j'ai eu plein de stuff sur moi. Magnifique. C'est quoi qui me prend plus là?
C'est quoi qui me fait trop de trucs sur moi là? Ah, du coup j'ai perdu mon chili bêtement. Magnifique, magnifique, magnifique. Ouais mais non mais pas ils ont tout farmé. Ils ont tout farmé, je peux plus jouer. Mais ouais mais c'est impossible. C'est impossible, je peux pas jouer, il y a du stuff partout. Du coup j'ai perdu chili comme il aurait pas fallu. Donc en fait ça aide pas là. Tentative numéro 1, on se retrouve avec encore les pales qu'on farmait tellement que... J'arrive pas à le fight quoi. On était plutôt bien parti, mais tout de suite on fait moins de dégâts quoi. Oh ouais mais l'effet de l'attaque là. C'est violent. Où est-ce qu'il est notre... Ok, il s'est téléporté là-bas. Est-ce qu'on a encore des pales à remettre là sur le camp? Ah bon, on a plus rien en fait. Ah ouais, on a vraiment plus rien en fait pour le fight. Où est-ce qu'il est parti? Ah mais c'est mort hein. C'est quasiment mort. Il me reste plus rien pour le fight. Non, je me retrouverai. Je me retrouve bloqué par tout ça. Ah ouais, je me suis retrouvé bloqué par... Non, mais ça dégoûte. Je me suis retrouvé bloqué par tout ce qu'il y avait, là. Je me retrouve bloqué par tout ce qu'il y a sur le sol, quoi. Du coup, je vais me faire farmer en boucle. Non, vas-y, je vais me faire farmer en boucle. J'ai perdu mon chili parce que je me suis retrouvé bloqué sur le sol. Ça dégoûte. Est-ce que je peux changer mes pales de l'équipe là? Non mais en fait je suis foutu. Je suis foutu.
foutu en fait parce que je me retrouve mort à cause de tout ça. Mais what the... C'est ingérable là son laser. Ingérable son laser. J'en ai rien à foutre du bois de charpente et compagnie là. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire, je m'en trouve coincé avec tout. Ils m'ont fermé toute la zone, c'est bien, mais c'est pas ce que j'avais prévu. Merci Comédie Lou pour le follow. Mais putain de merde! Pourquoi ils m'ont farmé tout ça là? Pourquoi ils m'ont farmé tout le bois? Ouais, c'est niveau 50 le max sur le jeu. Par contre, ce Bella Noir là, c'est une aberration. Et puis en fait, comme il tourne dans tous les sens, c'est une horreur. Va lui enlever les... Non mais, je remarche sur tout ce qu'il faut pas là. C'est quoi ce truc? Mais c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? C'est impossible à fight ça. C'est mort en 45 secondes, j'arrive pas à la fight. Hein. En 45 secondes, impossible que je la fight. Hein. Surtout que j'ai plus rien. Je me retrouve avec... J'ai pas assez de pales pour la tanker en fait. C'est quoi ce truc? Jamais, jamais je le fight quoi. Time out, donc du coup ça, il se passe quoi quand c'est time out? Ok, ça disparaît, t'as tout perdu. Ok, j'ai compris. Ok, donc tu perds à la fois la tablette. Tu perds à la fois la tablette et à la fois le truc quoi, ok. Bon bah Stéphane. C'était fun ce système. Ah mais la dinguerie du truc là, le Bella Noir. Il m'a détruit toute ma team en 5 secondes. Et en plus comme j'ai tous les pales qui m'ont tout farmé, j'étais bien.
Eh ben, ce sera pour une prochaine fois, hein.